Pour notre Zoom du jour, nous recevons François Gervais. Bonjour monsieur. Bonjour. Pour nos téléspectateurs, François Gervais est physicien, professeur émérite à l'Université de Tours et ancien directeur d'un laboratoire du CNRS. François Gervais, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage, « L'urgence climatique est un leurre ». C'est édité chez l'Artilleur. Et ma première question, François Gervais, évidemment, va tourner autour du CO2, le fameux dioxyde de carbone, aujourd'hui accusé par les politiques et les médias en général de masse, d'être à l'origine de tous les maux de la Terre. Son augmentation dans l'atmosphère est-elle d'origine anthropique, c'est-à-dire du fait de l'homme ? Le CO2 est un bouc émissaire. Il y a une part, sans doute, d'effet anthropique. Mais, si on retourne en 1945, il y a donc trois quarts de siècle. Je dis 1945 parce que c'est le moment où les émissions de CO2, par combustion du pétrole, du gaz et du charbon, se sont mises à accélérer. Qu'a fait la température de la planète, la température moyenne de la planète? Elle a baissé pendant 30 ans. Donc, oui, il y a sans doute un effet anthropique, mais ce n'est pas l'effet majoritaire, puisque la température baissait quand les émissions de CO2 qu'on accuse de réchauffer augmentaient. Est-ce que François Gervais, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment le taux de CO2 dans l'atmosphère a évolué ces 50, ces 100 dernières années? Alors, si on reporte donc la température moyenne de la planète depuis 1880, donc depuis presque 140 ans, on observe d'abord une baisse de la température, puis une hausse jusqu'en 1945, puis une baisse jusqu'en 1961, puis une hausse. Bon, ça, c'est une variabilité qui est essentiellement naturelle. Le taux de CO2, en un siècle, il a augmenté. Alors, en général, quand on fait un quiz auprès de quelqu'un, quel est le taux de CO2 dans l'air? Les gens disent 20%, 50%, 80%, mais non. C'est 0,04%. À la fin du 19e siècle, c'était 0,03%. Donc on a augmenté de 0,01% en un siècle. Et si on parle de gaz à effet de serre, je rappelle que le principal gaz à effet de serre, ce n'est pas le CO2, c'est la vapeur d'eau. Que je sache, on ne dit pas encore que la vapeur d'eau est un polluant, heureusement. Et François Gervais, dans votre ouvrage, vous rappelez que sur 10 000 molécules d'air sec, on est passé en un siècle de 3 à 4 voilà. molécules de gaz carbonique. Voilà. Et donc c'est très peu. C'est très peu, mais c'est suffisant pour jouer un rôle essentiel sur la végétation, dont c'est une nourriture indispensable et irremplaçable. Vous allez vous faire des ennemis, François Gervais, avec cet ouvrage. Vous estimez, vous nous racontez dans votre ouvrage que la chaleur dégagée par la combustion de charbon, de gaz ou de pétrole ne réchauffe pas la Terre. Elle réchauffe si peu que c'est en deçà des seuils mesurables. Mmh. Si on reprend l'histoire de la Terre, alors mesurée en centaines de millions d'années, on a des reconstructions de température et des reconstructions de taux de CO2 dans l'air. Il y a des époques où il y en a eu 10 fois plus qu'aujourd'hui, ce qui n'a pas empêché des glaciations. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effet, mais c'est un effet qui est minime par rapport à la vie naturelle de la planète. François Gervais, est-ce qu'on peut prédire facilement la température dans 100 ans, dans 50 ans? C'est ce qu'a essayé de faire le GIEC. Et si vous lisez… Alors le GIEC, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le mot intergouvernemental est essentiel. Alors, expliquez-nous pourquoi. Que dit-il? Pourquoi? Parce que ce fameux résumé à l'attention des décideurs est adopté, avec bien entendu des scientifiques qui ont rédigé le brouillon, mais avec les représentants de tous les États, en gros, qui ont participé au travail du GIEC, il y en a beaucoup, et chaque mot est pesé, chaque phrase est pesée avec l'accord des États. Sinon, on ne le met pas dans le résumé. Donc, ce mot intergouvernemental est essentiel pour bien comprendre comment ça se passe. Il y a un aspect clairement politique, sous l'égide de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, qui a été créée il y a une trentaine d'années. Et donc, est-ce possible de prévoir
au 100 ans en arrière la température qu'il va faire dans 100 ans. Alors, le GIEC nous dit, quand on va regarder ce résumé à l'attention des décideurs, la température à la fin de ce siècle augmentera de 0,3 degrés, et là je suis d'accord, jusqu'à 4,8 degrés. C'est quand même une incertitude invraisemblable. Oui, l'écart est énorme. Énorme. La sensibilité climatique, c'est-à-dire de combien la planète se réchaufferait si on doublait le taux de CO2 dans l'air. Le GIEC nous dit, et ça c'est une valeur qui traîne depuis très longtemps, entre 1,5 et 4,5 degrés. Attendez, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme si le poids d'une personne, on disait, ah bon, on ne sait pas si c'est 33 kilos ou 100 kilos. Faut-il soigner la terre pour anorexie ? Pas les mêmes. Faut-il soigner la terre pour anorexie ou pour obésité ? C'est quand même pas tout à fait pareil. Et alors, vous expliquez que les Américains qui ont investi beaucoup d'argent, c'est-à-dire 40 milliards de dollars injectés depuis 1979, pour au final avoir un intervalle de 3 degrés. Qui n'a pas changé, exactement. Donc c'est encore très important. Alors, ce qu'il faut ajouter, parce que ce rapport AR5, ce cinquième rapport du GIEC, il est sorti quand même en 2013. Depuis, je regarde, j'épluche toutes les publications scientifiques dans des revues internationales, les comités de lecture qui sortent. Et la tendance est nettement à la baisse. Dans la grande majorité des publications faites depuis, les valeurs sont plus basses que la moyenne de 3 degrés du GIEC. Et en tout cas, le GIEC, c'est ce que vous expliquez encore dans votre ouvrage, reconnaît la quasi-absence de réchauffement climatique depuis 1998, soit au moment où l'activité humaine devait polluer le plus, produisait le plus de gaz à effet de serre. Et donc à ce moment-là, même ce groupement qui affirme à 95% être sûr du fait que le réchauffement climatique est la résultante de l'activité humaine, on voit que ils reconnaissent qu'il n'y a quasiment pas de réchauffement climatique, mais en même temps, ils sont sûrs que c'est le fait de l'homme qui réchauffe. Donc, c'est un paradoxe total. – Tout à fait. Et il y a deux aspects. Ce que j'appellerais le climat réel et le climat virtuel. Le climat virtuel, c'est ce qui est calculé par les modèles repris par le GIEC. Ce n'est pas tous les modèles de climat, attention. C'est les modèles de climat repris par le GIEC. Effectivement, ils donnent, et c'est une figure qui est dans le rapport du GIEC, des réchauffements 2 à 10 fois supérieurs à la réalité mesurée, aux fluctuations près, parce qu'évidemment, quand il y a un phénomène El Niño dans le Pacifique, on a un pic momentané, puis ça redescend. Mais le GIEC reconnaît que, dans deux figures de son rapport, que les modèles chauffent 2 à 10 fois trop par rapport aux observations depuis 1998, comme vous le dites. Alors, vous poussez le bouchon encore plus loin, François Gervais, puisque vous nous expliquez que non seulement le CO2 n'est pas un polluant, mais qu'en plus, il est un engrais naturel. Mieux qu'un engrais, c'est indispensable. S'il n'y avait pas de CO2 dans l'atmosphère de la Terre, il n'y aurait pas de végétation sur Terre. Donc, c'est plus qu'un engrais. Bien sûr, ça facilite les choses, mais il en faut, de toute façon. Et ça, on s'en rend très bien compte maintenant, dans les dernières observations qui ont été faites de cela. Il y a une oscillation saisonnière du taux de CO2 dans l'air. C'est-à-dire, chaque printemps-été dans l'hémisphère nord, on voit le taux de CO2 baisser. Et puis, en automne et en hiver, il remonte. Et ainsi de suite, chaque année. Bon, quand on regarde l'amplitude de cette oscillation, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande, telle que mesurée à la gelée en Californie, que quand elle a commencé à être mesurée vers les années 1959. Et l'amplitude a augmenté plus vite que le taux de CO2 lui-même. Ça veut dire que la végétation était réellement en manque de ce qui, pour elle, est sa nourriture indispensable. C'est ce qu'on apprend quand même quand on est jeune, même dès le primaire. Oui. C'est que les plantes respirent du CO2, du dioxyde de carbone. Absolument. Et rejettent de l'oxygène. Voilà. Et donc, grâce à cette petite augmentation du CO2, puisqu'elle est quand même minime. Bah, on est passé de 0,03% à 0,04%. Voilà. Mais comme la végétation en manquait énormément, elle se jette là-dessus. Et alors, vous nous expliquez même qu'on a gagné 18 millions de kilomètres carrés de verdure en 33 ans. Exactement. Ça a été mesuré par toute une équipe internationale, par satellite. Voilà. Ils ont mesuré sur une période de 33 ans le verdissement de la Terre. Et ils ont dit effectivement, ça fait l'équivalent d'un sixième continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. Je rappelle, c'est quand même plus de 30 fois la superficie de la France. Qui sont, François Gervais, les premiers bénéficiaires de cette augmentation du CO2 ? Ah ben, tous ceux pour qui, bien évidemment, la nourriture est le premier poste de dépense. C'est-à-dire les gens les plus démunis de la planète. C'est
Le bénéfice, c'est d'abord pour eux, bien sûr. On peut le chiffrer à peu près 1 milliard de personnes, oui. Et voilà, et vous nous dites justement que ce bénéfice économiquement pour l'humanité, il est de 3 000 milliards d'euros entre 1961 et 2011. Voilà, ça a été chiffré dans une étude américaine, en prenant justement toutes les plantes nutritives, qu'il s'agisse des céréales, mais aussi les légumes et les fruits, sur lesquels il y a un bénéfice assez important d'un accroissement du CO2. Alors, il y a quelques rares plantes qui ne jouent pas le jeu, mais il y a également le plancton de la mer. Et donc, oui, on augmente. Qui a explosé, vous voilà, nous expliquez. Qui augmente donc la nourriture de toutes. Pour les poissons, de tous les poissons. Les mammifères, voilà, marins. Donc, tout ça, c'est un vrai bénéfice. Ça a été chiffré à 3 000 milliards d'euros, mais ça continue, hein, bien sûr. Alors, justement, pour parler des animaux, les médias, en tout cas les personnes qui affirment qu'il y a ce réchauffement climatique, accusent régulièrement les bovins de rejeter des gaz à effet de serre, hein, donc le méthane et le protoxyde d'azote. Est-ce que ces gaz sont dangereux pour l'environnement? Alors, le méthane avait doublé au cours du XXIe siècle dans l'air. C'est un taux beaucoup plus faible que le gaz carbonique. Hein. C'est un taux extrêmement faible. Ça se mesure en partie par milliards. Enfin, c'est vraiment très, très peu. Mais bon, c'est vrai qu'il avait doublé au cours du XXe siècle. Et puis maintenant, depuis une trentaine d'années, bah, ça monte beaucoup moins vite et ça a tendance à se stabiliser. Pas se stabiliser, mais monter très, très peu. Alors, j'ai fait le calcul, même en prenant les chiffres du GIEC. Bon, on a peut-être eu un réchauffement de 0,03 degré à cause du méthane. Il n'y a vraiment pas de quoi accuser les agriculteurs de cela, franchement. Vous nous expliquez néanmoins, François Gervais, qu'il existe des gaz qu'il faut éradiquer. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns? Ah ben, bien sûr, il y a des polluants. Le premier qu'on a pratiquement éradiqué grâce au pot catalytique monté sur les voitures, c'est le monoxyde de carbone. Alors là, qui est carrément un poison. Et puis plus généralement, tout ce qui va être fumée, particules, effectivement, moins il y en aura dans l'air, mieux ça vaudra, bien sûr. Alors, mais ça n'a rien à voir avec le CO2. François Gervais, vous citez ce professeur d'économie du changement climatique à l'Université d'Amsterdam, Richard Toll, qui montre qu'une augmentation de la température jusqu'à 2 degrés serait bénéfique pour l'humanité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi reposent ces travaux? On pourrait citer, mais... c'était pas encore le cas quand j'ai écrit le livre, mais c'était un des derniers prix Nobel d'économie qui lui aussi dit que l'idéal pour la planète, ça serait 2-3 degrés de plus et que ça serait un bienfait. Donc là, ils font une analyse coût-bénéfice. Si on augmente un peu la température de la planète, bah non seulement c'est pas une catastrophe, mais de toute façon, ça sera pas le cas. Alors, en tout cas, si c'est le cas, ça sera naturel et pas à cause du CO2 qui a atteint pratiquement ses limites de tout ce qu'il peut faire. Le CO2 ne réchauffera pas la planète au-delà d'une fraction de degré d'ici un siècle ou deux, de toute façon. – Alors, on nous explique souvent dans les médias que ce risque de réchauffement planétaire risque d'entraîner une hausse du niveau des océans et donc risque de de faire expulser tous ces gens qui sont sur des îles ou alors sur des territoires assez plats en mer. – Alors, à l'heure actuelle, la hausse moyenne du niveau des océans mesurée par les marégraphes, il y en a 2000 sur toutes les côtes, les îles. Hein. Les marégraphes, si on en prend la moyenne, on trouve une hausse de 1 mm par an. 1 mm par an d'ici la fin du siècle, ça va faire 8 cm. Est-ce que c'est une catastrophe? Je crois que quand il y a des marées, l'amplitude est de toute façon beaucoup plus grande. Mmh. Et entre les petites marées et les grandes marées, on sait s'en prémunir. Donc, même si on prend, à l'heure actuelle mesurée par satellite, c'est 3 mm. Ça ferait 30 cm. Bon, même pas 25 cm, puisqu'on est déjà en 2018, d'ici la fin du siècle. Mais c'est moins que rien. Vous nous expliquez qu'il y a même certains territoires qui se sont agrandis. Ah oui, exactement. C'est ce qu'on constate. Il y a des îles qui, au contraire de se noyer, au contraire, ont augmenté de surface. Bon. Là où on avait dit que c'était catastrophique. Mais est-ce que si on considère qu'il y a un réel réchauffement climatique, ce qui n'est pas votre thèse, est-ce qu'on peut se dire que ce réchauffement de l'air peut réchauffer les océans? Sur le principe,
Une fois l'ensemble des températures équilibrées, mais ce qui prendra sur la Terre plusieurs siècles, bien sûr, il y a une influence mutuelle. Mais je propose la petite expérience suivante. Remplissez une baignoire d'eau froide. Oui. Et essayez de la réchauffer avec un sèche-cheveux, ce qui est beaucoup plus chaud que l'air aujourd'hui. Hein. Eh bien, on en reparle. Hein. Ouais. Le vous soleil, allez griller le cheveux. Le soleil peut réchauffer les océans, mais l'atmosphère, non. Beaucoup moins. Pas suffisamment. En revanche, les océans, si eux se réchauffent, ils vont réchauffer l'air, bien sûr. Mais là, en sens inverse, c'est pas du tout évident. Essayez avec un sèche-cheveux, vous verrez. On a énormément de mal à chauffer l'eau d'une baignoire. François Gervais, l'autre grande partie de votre ouvrage, enfin à mon sens, c'est que vous estimez que la lutte contre le réchauffement climatique est aujourd'hui complètement vaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Puisque de toute façon, prenons la politique française. Au hasard, la France a réduit de 20% ses émissions de CO2. Bon, qu'est-ce que ça a fait ? Même si je reprends la sensibilité climatique du GIEC, qui est très exagérée et contestable, même en reprenant ça, la France a œuvré, en faisant ça, pour éviter un réchauffement de la planète de 0,1 degré. Autrement dit, on a des lois dont l'impact n'est même pas mesurable. À quoi bon ? Oui, et à l'heure en plus où on demande aux Français de payer plus cher pour faire un plein d'essence, donc voilà. Il faudrait, je crois, c'est ce que vous dites, 16 milliards d'euros par jour. C'est ce que dit la Banque mondiale. À l'échelle planétaire, dépenser pour tenter de réduire ce réchauffement climatique. Disent-ils, mais en réalité, ça ne ferait que grever la dette souveraine mondiale, de la multiplier par 2,5. Et puis alors, en plus, vous argumentez encore plus dans ce sens, puisque vous nous dites que l'Inde et la Chine vont continuer à augmenter leurs émissions, qu'aucun pays d'Europe n'a tenu ses engagements qu'il avait pris lors de la COP21. Et un petit peu pour aller sur ce thème du photovoltaïque et de l'éolien, vous nous dites que l'Allemagne et le Danemark se sont engagés sur cette voie, mais que leurs résultats ne sont pas très probant et qu'en plus ça coûte très cher de s'équiper d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques. On peut porter le prix du kilowattheure payé par le consommateur dans différents pays d'Europe, plus l'implantation d'éoliennes et de panneaux photovoltaïques est élevée, avec un record en Allemagne et au Danemark, et c'est eux qui payent l'électricité deux fois plus cher que les Français. Et est-ce que d'un point de vue économique, c'est. Dans la production de ces engins, de ces panneaux, de ces éoliennes, est-ce que ça favoriserait pas, par exemple, la baisse du chômage ? Je ne sais pas. Alors, sans doute que toute activité économique a un effet positif de ce genre. Mais en ces termes, à ce moment-là, on va recruter plein de terrassiers au lieu de machines qui font le travail beaucoup mieux. Alors, on les paiera cher, mais ça évitera le chômage. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Il faut quand même faire des choses intelligentes aux salariés. Il ne faut quand même pas tomber dans ces excès-là. Donc, faire des choses parce que est-ce que c'est utile ou inutile ? La première question à se poser, c'est est-ce que l'énergie fabriquée par un panneau photovoltaïque sera à terme supérieure à l'énergie qu'on a dépensée pour le fabriquer lui et ensuite en assurer la maintenance et le démanteler en fin de vie. Si l'énergie produite est inférieure à toute cette énergie investie, c'est pas viable. C'est pas viable, évidemment. Et c'est la première question qu'il faut se poser. Ça dépend de la latitude. Il est clair que dans des pays plus au sud, ça peut être valable. Mais dans les pays du nord, là, faut vraiment voir. Et est-ce que, François Gervais, la production des composants de ces machines, de ces éoliennes, de ces panneaux photovoltaïques est, on va dire, pas trop mauvais pour l'environnement ? Il suffit d'aller se promener en Chine et voir le travail des enfants dans les mines dans des conditions épouvantables, alors que ça va devenir quelque chose d'aussi stratégique que l'était le pétrole jusqu'à présent, avec toutes les guerres que ça a supposées pour la maîtrise du pétrole. Eh bien, si on développe ça, ça sera des guerres pour la maîtrise de ce qu'on appelle les terres rares, qui sont indispensables, le néodyme, par exemple, pour les aimants des éoliennes, ça va être la guerre pour s'assurer la mainmise là-dessus. Alors, il y a deux, trois petites questions avant qu'on voit un petit peu l'avenir pour la production d'énergie dans le monde, François Gervais. Des petites questions comme ça. Est-ce que porter un masque anti-pollution, c'est bon plutôt pour le corps ? Contre la pollution, oui.
Mais le CO2 n'est pas un polluant, puisque nous expirons du CO2. Nous en fabriquons plusieurs fois par minute. Et du coup, vous dites que, justement, le CO2 qu'on recrache reste un petit peu prisonnier dans notre masque. Est-ce que c'est mauvais pour la santé d'avoir ce CO2? Le CO2 n'est pas toxique aux concentrations auxquelles nous expirons. D'accord. Quand nous expirons, il y en a à peu près 30 fois plus que dans l'air, dans notre haleine. Mais même si on porte un masque et est-ce qu'on le réinspire, ça n'est pas toxique, il n'y a pas de danger. Et est-ce que on peut constater qu'il y a des espèces animales en danger à cause de l'activité humaine? Vous nous parlez notamment des ours polaires. Alors pour l'instant, les ours polaires sont chassés, en particulier au Canada, mais en dépit de la chasse, ils sont plutôt bien reproduits, puisque dans les années 1950, on en comptait, pas moi qui le dis, si je reprends les travaux publiés sur la question, on en comptait 15 000, on en compte 50 000 aujourd'hui. Mais François Gervais, on nous montre souvent à la télévision ces images de glaciers qui s'effondrent comme ça dans l'océan. Est-ce que ça n'est quand même pas la preuve qu'il y a un réchauffement climatique? Alors, l'avance d'un glacier est normale. Elle est due au fait du poids du glacier qui fait que petit à petit, il coule. Et s'il est au bord d'un lac comme le Perito Moreno ou au bord de la mer, ben oui, quand il arrive en porte-à-faux au-dessus de la mer, la glace tombe dans l'eau. C'est pas du tout une preuve de réchauffement climatique. Ça a toujours été comme ça. Ça s'appelle le vélage du glacier. Cette lutte contre le réchauffement climatique, François Gervais, vous nous l'expliquez, elle est un petit peu élevée au rang de religion. Quel serait, selon vous, François Gervais, le dieu de cette religion contre le réchauffement climatique? Au choix, une poule aux œufs d'or ou un veau d'or. Donc c'est... C'est clairement derrière un énorme bénéfice, c'est un formidable business, et derrière il y a énormément d'argent. Enfin, je veux dire, pour des raisons financière. Là, on est en train de proposer des obligations vertes, entre guillemets. C'est un vaste jeu financier qui va rapporter énormément d'argent à certains. – Oui, et donc pas aux contribuables, forcément, français. – J'en doute. ce que je crains, c'est que… – Dites-nous. – Ou bien on sera taxé, mais on s'aperçoit quand même que les Français commencent à en avoir un peu assez d'être le pays le plus taxé d'Europe, mais que… Si on taxe pas, on va encore creuser la dette. Oui. Et ça, c'est pas sympa pour nos petits enfants. Et vous expliquez d'ailleurs que la préoccupation environnementale sur le climat, le réchauffement du climat, apparaît dans les sondages parmi les dernières préoccupations. Au moment de COP21. Oui. Mais c'est vrai que ça évolue, et peut-être pas dans le bon sens. Oui, il y a peut-être le terrorisme, le chômage qui. Bon. Mais c'est vrai qu'au moment de COP21, les sondages qui étaient parus à ce moment-là montraient cela. En revanche, aux États-Unis, puisqu'on regarde aussi les États-Unis, puisque eux se sont retirés de l'accord COP21, maintenant les sondages sont clairement, enfin, en fonction de dire, mais tout ça, franchement, c'est secondaire. François Gervais, il nous reste un petit peu de temps pour ma dernière question. Quel avenir voyez-vous pour la production d'énergie face à l'épuisement des combustibles fossiles? Bien évidemment, il faut s'en soucier. On a du temps, hein. Le pétrole, le gaz, les réserves connues actuelles. On a combien de temps d'ailleurs? Les réserves connues actuelles, j'ai bien connu, parce qu'il y en aura d'autres, on en trouvera d'autres, nous donnent au moins 50 ans et 150 ans pour le charbon. Donc on a le temps de développer la recherche pour effectivement mettre au point des énergies renouvelables non intermittentes. Parce que l'intermittence. Oui, est le plus... soleil c'est intermittent, il fait non, pas non, beau mais je parle de l'éolien. Et du photovoltaïque, ça, ce sont des énergies qui ne fonctionnent pas tout le temps. Voilà, exactement. La nuit, il n'y a pas de soleil, exactement. Et des fois, il n'y a pas de vent. Tout le temps de vent. Ouais. Et s'il n'y a ni soleil ni vent, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a plus d'électricité. Donc, il faut effectivement réfléchir à l'après-énergie fossile. Ça aura une fin. Ce n'est pas pour demain, mais ça aura une fin. Alors, il y a plusieurs pistes sur lesquelles, effectivement, la recherche travaille. Il y a, par exemple, à partir de micro-algues ou à partir de bactéries, on sait, à partir de CO2, refabriquer un carburant synthétique. Mm-hmm. C'est une piste et il y a des laboratoires qui travaillent là-dessus. Par ailleurs, mais ces laboratoires ne sont-ils pas freinés dans leurs efforts par les groupes pétroliers? Non, pas du tout. Il y a des financements de l'Agence nationale de la recherche sur ces questions-là, donc non. D'accord. Par ailleurs, à l'heure actuelle, on utilise le nucléaire par fission d'atomes,
mais on n'utilise qu'une très faible partie de l'uranium. C'est pour ça qu'on a énormément de déchets radioactifs. D'accord. Ce qui n'est pas une bonne idée. Mais si, avec le nucléaire dit de quatrième génération, à ce moment-là, on va consommer tout l'uranium, mieux encore du thorium, et là, on a une ressource qui se régénère, et on a du combustible pour 3000 ans. Et le thorium, où est-ce qu'on le trouve, justement? Parce qu'on sait que l'uranium, on en trouve beaucoup au Mali. D'ailleurs, c'est pour ça que la France est engagée dans ce conflit, pour un petit peu pour protéger les intérêts de l'entreprise Areva. Où se trouvent les sites de thorium? Je ne l'ai pas franchement en tête, je ne peux pas vous répondre précisément sur cette question-là, mais il y en a. Est-ce que vous pensez que le changement de combustible puisse amener à de nouvelles guerres ou en tout cas à de nouveaux intérêts géostratégiques dans les 50 ans prochaines ? C'est toujours un risque. C'est la raison pour laquelle il faut aussi regarder de très près la fusion thermonucléaire contrôlée. Il y a le grand réacteur ITER qui est en construction dans le sud de la France. C'est un projet mondial avec plein de pays qui participent. On sait que ça va marcher, mais ce qu'on ne sait pas, c'est quel sera le coût de l'électricité qui sera produite par cela. Parce que là, le problème de la ressource disparaît totalement. La ressource, c'est l'hydrogène. Et il y en a partout sur la Terre. Écoutez, François Gervais, merci d'être venu sur notre plateau. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, « L'urgence climatique est un leurre ». C'est édité chez l'Artilleur. Je rappelle, j'informe nos téléspectateurs que chaque chapitre est abondamment sourcé, que c'est un travail de scientifique, hein, on peut le reconnaître. Voilà, donc c'est vraiment du sérieux. Merci François Gervais d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.